Hey, 73-51 à toi, Billy. Ah, bonjour Rémi, tu vas bien? Oh, comme un matin. D'accord, eh bien, écoute, voilà. Bon, pas le facteur, et puis on va lasser la journée, tranquillement, voilà. Ouais. Hachi, j'avais quelques moustaches là à l'instant. Je me demande si on ne devrait pas se rapprocher un petit peu là pour mieux s'entendre. Ah non, je pense que c'est grave. Ouais, oh, ça fonctionne bien. Ok. Alors, j'ai cru qu'il y avait de la moustache qui prenait de la FM. Je suis un peu étonné. Pourtant, on est sur le 19 en AM. Ah ouais, c'est là. Voilà. C'est passé de 8 à 9. Là. Voilà, non, non, mais là, il n'y a pas de QRM, tu vois, c'est calme. Hein, il n'y a même pas de cycle des images, le poste, tu vois. Toutes les collègues, c'est gravir aussi, là. Mais tu vois, c'est calme hein, ce matin. Voilà. Quand c'est avoir mon copain Equinox, là, tu vois. Sur les gardons, tu vas livrer les palos, là. Mais bon, il va pas encore dans la session. Ok, bon, je me suis rapproché un petit peu quand même. Hachi, trois coups. Ah, oh, mais ça y est, radio, là, c'est sûr, là. Ça fait une minute, Rémi, là, que je branche le Zitagi, là, je l'avais pas rebranché, là, pour voir. Ah, bah, tu m'étonnes. Oui, oui, largement, oui. En plus, là, je suis sur le PC en même temps, là, je suis en train de Ah, zut, tiens, même moi, j'arrive pas à me comprendre. Hachi de décoder, on va dire, à Chitroicou, le fonctionnement là, de ce serveur là, qu'on m'a donné. Donc oui, j'ai du temps, et oui. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, voilà, j'ai remis le Zitagi, là. Non, là, le Zitagi et Zitigi, voilà. Ah, ça donne une modulation un peu plus aiguë. Là, je suis en train de faire une petite vidéo, là. Donc là, tu pourras voir ce que ça donne. Le volume voilà. Mais bon on l'avait réglé comme tu m'as dit, voilà, je l'ai pas monté plus. Bah, attends, il y a un truc qui m'échappe. Ou alors c'est moi qui ai les oreilles qui déconnent, celui-ci c'est celui qui marche le mieux, non? Ah non non, le Zagi c'est moins il marche moins, l'auditoire marche moins bien, c'est moi qui déconne. Ouais, c'est moi qui déconne, c'est moi qui n'ai pas bien réveillé. Faut dire qu'il est quoi? Il est 8h moins 20. J'ai mis le réveil à 7h pour filer au 144 hier soir à minuit. Ah bah quand on est en jour de repos, on en profite. Hein. Ouais, affirmatif, ah ouais, non, c'est sûr que je préfère l'autre, hein. Ouais, c'est parce que là, j'ai entendu de la moustache, je suis un peu étonné, parce qu'en principe, en FM, qu'est-ce qu'on trouve en FM? Ben, les Allemands, quand on l'a propagé là, qu'on trouve en FM, là, sur le 19, parfois, ça arrive, hein. Mais bon, là, vu l'heure, c'est pour ça que là, je me suis un petit peu rapproché, quoi, enfin, oui, oui, je me suis bien rapproché. C'est, si là, quand même, faut qu'on arrive à s'entendre, au moins, quand même. C'est un minimum. Ouais, là j'ai remis le tourneur là, voilà. Ah, disons ouais. Que la voix est peut-être plus réelle, tu me disais, voilà, je pense. Voilà. Oh, donc, il marche bien aussi, là. Oui, oui, là, la voix est plus réelle. Elle est comment dire sur le précédent, c'est comme s'il manquait des fréquences là, du côté des graves. C'est il manque quelque chose là, dans le précédent, même s'il fonctionne bien. Hein. Ah oui, il fonctionne très bien l'autre aussi. Hein. Mais il tire plus dans les aigus, donc plus adapté pour quelqu'un qui a une voix plus grave que la tienne. C'est ouais, je pense que c'est ouais, voilà, c'est ça. Ah bah tiens, une fois on me demande plusieurs fois des fois on me demande quel genre de micro tu recommandes pour ce poste.
Je réponds, déjà, tout dépend de la voix que tu as. Si tu as une voix aiguë, il faudra un micro qui tire plus dans les graves. Si tu as une voix très grave, un peu, voire même un peu sourde, il faut un micro qui tire plus dans les aigus. Et c'est vrai que connaissant ta voix, l'autre, il est plus pour quelqu'un qui aurait une voix beaucoup plus grave. Alors que là, celui-ci, il est nickel. Mais disons que l'avantage du Tagi, le MB plus 5, c'est qu'il a les deux curseurs, quoi, le volume et puis t'as la tonalité. Mais la tonalité, c'est vrai que je l'ai mis à zéro. Hein, si tu mets de la tonalité, après ça va. Et il est fait pour aller plus sous les aigus encore. Hein, tu vois, il est à zéro là, la tonalité. Donc tu vois, voilà. Le Tagi, voilà, il est bien, si quelqu'un le voit grave, c'est sûr qu'il est intéressant. Ouais, celui-ci, c'est vrai que vu ta voix, là, c'est vraiment le... Là, ce micro, il est vraiment pour toi, celui-là. Hein. Ouais, on peut vraiment gueuler, celui-là. Tu sais, il a fait des profs, celui-là. Là. Voilà, tu nous dis, fais attention, hein, voilà. Ah, tu m'étonnes. C'est pareil, j'ai... Là, j'ai un derrière moi... Oui, il va falloir que je revoie là. Mais je crois qu'il est trop sensible là, pour mon CRT 7009. C'est un quoi ça? Zut. Zut, il faut que je regarde sur le forum. Mais là, le PC il est pris pour sur autre chose pour le moment. Mais là c'est pareil, j'ai un micro là qui ressemble au vieux micro Midland ou Cobra. C'est-à-dire. Ça fait trois grilles verticales, une au milieu, une de chaque côté. Sur les côtés, ça fait des stries horizontales. Il est vraiment sympa celui-ci et il envoie du steak. Hein, par contre, hein. Faut vraiment le régler très très bas. Voilà, il faudra que je refasse des essais. D'autant plus que je me suis fait il y a quelques temps déjà un adaptateur. Là pour ce poste. Ah mais oui, il faudra peut-être que je baisse le mic gain quand même aussi pour ce micro. C'est vrai, je l'avais testé sur le Yazu. Oh putain. C'est dès que j'appuie sur la pédale du micro, rien que la ventilation de l'alimentation passait plein pot de dorgue. Ouais, il faudra que je commence par baisser le mic gain là du poste. Et ouais, il faudra que je vois ça. Ouais, mais le problème, c'est un style micro américain. Voilà. Mais bon, c'est peut-être des pastilles céramiques. Hein. Ça cartonne, c'est ce qu'a le turner. Hein. Les pastilles céramiques, là, c'est pas le pastille. Ça. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et ouais, oui, il faut pas le mettre fort. La preuve, regarde le mien, là, sur le 6009, là, par contre, là, lui, il faut baisser le volume. Et encore, tu vois, t'as regardé, tu vois, il est pas poussé à fond à la VF, hein, mais bon. Il est sensible l'appareil. Bon, allez, j'arrête de faire mon feignant. J'ai ouvert un autre onglet. Alors, c'est le. Il est où? C'est là, je l'ai moi sous la marque Eurocibi. Et alors, c'est un Eurocibi. Enfin, sous la marque, je l'ai. C'est un Eurocibi Delta Mic 437. Mais c'est le alors la version Recibi est à l'origine le pan Delta Mic 437. Voilà, il est tout gris. Tout gris avec grille noire et striure horizontale sur le côté. Alors grille noire au milieu verticale, striure horizontale sur le côté. C'est voilà. Donc et dedans, il y a une pile de 6 volts. Est-ce que j'ai une photo de la pastille? Non, apparemment non. C'est une pastille Electrade, ça y est, je l'ai. Alors par contre, c'est un micro qui est quand même assez vieux, mais dedans, ça, c'est quand même les micro-composants, la CMS ou un truc comme ça, quoi. C'est, voilà ce que c'est là dedans. Et ouais, c'est ce micro est sorti aussi sous Superstar Delta Mic 437.
Alors Victory aussi, il est sorti sur pas mal de marques en fin de compte ce micro. Je l'ai acheté à Christophe il y a déjà quelques temps, SAV Radio 33 là qui est sur chez Martinette sur Jal. Voilà, c'est à lui que je l'avais acheté. Ah d'accord, ouais, c'est le technicien de Christian. Voilà, c'est le matériel. C'est du matériel. Ouais, mais après Rossibi, je me méfie parce que Rossibi, ils avaient copié pas mal de microphones, notamment les tourneurs, les tourneurs 500, c'est le gros tourneur là. Mais ça n'avait rien à voir, vous avez mis des composants Rossibi, le micro, c'est pas l'américain, quoi, voilà. Ils ont fait vachement de copies Rossibi, je me méfie. Ouais, bien sûr, mais c'est vrai que celui-ci, bah, c'est pareil. Hein. Je sors mes lunettes pour voir sur quel volume je l'ai, quel réglage je l'avais laissé. Alors là, il est. Ouais, il est sur 2 là. Et c'est vrai que sur 2, c'est déjà trop fort. Ouais, faut vraiment que je fasse un essai là sur le CRT 7009 en lui baissant le gain à moitié. Oh, facile, oui. Ouais, je reste sur le quartier, hachis trois coups, à tout à l'heure. Oui, voilà, de retour. Non, il passe pas du tout de mon côté. C'est non, il est noyé dans le QRM. Oui, j'ai un léger QRM, il est noyé derrière. Alors, d'accord. Bon, mais il t'entend pas, il entend quand tu parles, mais il y a un petit peu de QRM, voilà. Mais bon, moi je te reçois, il n'y a pas de souci. Voilà. Tu es en couche mobile? D'accord, ok, bon, couche arrêtée, d'accord. Mais écoute, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, ça fonctionne dans l'installation. Voilà, je vais passer un petit peu en QRT, là, c'est l'embossement, là. Et bien écoute, je te vois dans ton indicatif, comment? Ok, Robin Desbois. Robin Desbois. Et le prénom? Ok Benjamin. Eh bien écoute, il n'y a pas de problème, voilà. Robin Desbois. Eh bien écoute, mais ça fonctionne, tu vois. Bon, c'est limite, il y a un petit peu de grésillement, mais bon, il y a pas mal de vie parasites, mais ça fonctionne. Mais ça fait un petit peu de trotte, voilà, Lot-et-Garonne, moi je suis département 24, tu vois, ça fonctionne bien ton installation, Robin Desbois. Allez Benjamin, je te laisse, je te remercie du petit contact sympathique là, au plaisir. Ok, je te remercie, mais tiens-moi toutes les amitiés, Rémi. Ok, en plus j'allais dire, si Benjamin m'entend, ben, les bains sont 13-51 à lui de Dandy 33, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Voilà, je suis entre les deux, là, plus près de Castillon-la-Bataille exactement, là, en fixe. Et bon QSO de ton côté, bonne journée. Bon allez, tu vas aller travailler un petit peu, Billy. Chie trois coups. Allez, à tout à l'heure. Et 73-51, Fabrice. Ouais, 73, monsieur. Oh, il m'a pas reconnu. Hachi, Dandy 33. Ouais, j'avais reconnu, Dandy, il n'y a pas de problème. J'avais reconnu.
Ok, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas copié, quoi. Ouais, mais. Vous voyez, j'ai entendu, c'est que quand. Je crois que c'est dimanche, là, comme il y a eu le Canada, là. J'ai entendu, puis après, j'avais vu la vidéo, elle est là. Et voilà. Mais, ouais, je suis là, et tout, bon, si vous voulez bien se lever, puis comme je suis en arrêt, en ce moment, je suis en arrêt. Donc, je suis plus branché de l'autre côté, on va dire. Ah merde, en espérant que tout va bien? Ouais, d'accord, j'ai compris. On va pas en se rajeunissant, c'est ça, quoi. Ouais, c'est des petites conneries, mais bon, ça prend du temps. Ouais. Ah, chie. Allez, bonne journée à toi. Ok, à plus tard et bonne continuation. Merci, toi aussi. Bah, pareil, là, je suis pris aussi de mon côté, mais je suis aussi à la station. Ok, ça marche, pas de problème. Les bosses 73, la station de Dundee 33 du côté de Saint-Émilion, qu'est-ce que ça fait plus près de question la bataille? Jean-Mi, tu te promènes là dans les coins? Ah, ok, pour Carsac, c'est bien long, Dundee, la surmodulée, là, oh là là. Ok, bon, alors, ça baigne. Désolé. Ah ok, pour bazar, oui, ah ben c'est la bonne viande là-bas, c'est la bonne viande là-bas, Lango. Ok Eric, mais ça fonctionne bien, là, je reçois un signal de 5 à 6, radio 4 à 5, là, et ça fonctionne bien. Eh bien écoute, mon QTH, moi c'est fixe, là je suis à Avéline, département 24, hein, entre cette fois la grande et Castillon-la-Bataille, voilà. Ça fonctionne bien Eric, là. Ah, il est loin, hein. Sud Gironde. Ok, ben, je te remercie de tes contacts, Eric, y a pas de soucis. Je te souhaite une très bonne journée, et puis au plaisir de se rendre en main. Ça marche, bonne journée à toi, merci. Allez, 73, la station là, de Dundee 33, là, du côté de... Oh bah c'est, je sais plus, j'habite moi, Castillon-la-Bataille, de ce côté-là, quoi. Ah, c'est très très QRP, là, de mon côté, hein. Billy, visiblement, t'entends beaucoup mieux que moi, hein. C'est vraiment très très QRP, il faudrait que un poil de QRM, et ça y est, il faudrait justement qu'il n'y ait pas de poil de QRM supplémentaire, parce que là, pour le coup, ça passerait par-dessus, là, sur mon QTH. Ah, je sais pas si tu as entendu, Billy, hein, de mon côté, là, j'ai eu à nouveau là, de la moustache FM. Hein. Curieux, hein? Ouais, bah, Billy loin, là, Bazar, c'est pas à côté. Voilà, mais pour pas que j'entends, ouais, tu vois, tous les matins, il est sur ce canal, voilà. Zut, on a repris en même temps. Ouais, je suis là. Ok, je m'attendais pas à ce que tu passes en FM. Attends, là j'ai du... c'est petit, voilà, ok. Ok, voilà, là je mets un peu de jus. Ouais, mais tu vois, oh, c'est ta modulation, parce que ça passe, elle est vachement grave, là. C'est complètement différent, là. Je sais pas comment tu me reçois, là, en forcement. Ok, là je suis qu'avec le poste. Voilà, enfin je dis ça, voilà, là j'ai monté le potard de puissance du poste à fond. C'est plus fade, plus plat. Là, voilà, j'ai une vidéo là qui est démarrée. Là, tu pourras voir dedans. Là, c'est plus fade, ouais, plus plat. Même toi, tu vois la modulation, là, c'est pas la même. Hein, c'est pas la même. Voilà. Signal, par contre, là.
7. Je sais pas, dis-moi le signal, par contre il a bougé pour toi là par rapport à la M. Non, c'est du 57, tout pareil. Non, non, c'est du 57, la radio est moins forte, moins percutante. Alors toi, c'est curieux parce que, bon, c'est vrai que je suis pas un habitué de la FM, et tout le monde dit que la FM est 100 fois mieux, ceci, cela. Ben, là, pour le coup, c'est un peu la douche froide parce que j'ai l'impression de l'inverse. Pourtant, je sais bien que la FM retranscrit toute la bande, toute la voix, de ça, toute la bande passante. Je sais plus les termes exacts, peu importe. Et là, par contre, c'est, je reconnais ta voix, il n'y a pas de souci. C'est la même modulation, mais en vachement moins percutant, moins fort. C'est là, ça devient plat là pour le coup. Eh bien, voilà, là, moi, je suis au mini, je monte tout doucement, voilà, là, voilà, fond de puissance de poste, et ouais, effectivement, on voit une différence, c'est, voilà, là, je suis qu'avec le poste, là, à fond, c'est effectivement, ouais, d'un bout à l'autre de la course de puissance là au niveau du poste, ça monte progressivement, ça passe bien à tous les niveaux. Ouais, mais là, toi, je suis à fond avec le poste. Mais cette fois, c'est pareil, ça fonctionne bien. Bon, mais là, je vais rebaisser un peu la puissance, c'est pas la peine. J'ai essayé à 9 et à fond, tu vois. Là, je suis. Attends, putain, je me trompe avec les coups, hein, tout ça. Là, je redescends, tu vois, ma puissance dans moi, tranquille, voilà, tu vois, je redescends. On est prêt aussi là. Ouais, tu vois, c'est moins bon la modulation. Oui, ouais, c'est vrai, je confirme. C'est ok, là, tu vois un peu ce que ça donne. Ouais, effectivement, ouais, c'est plus fade. C'est curieux, là, c'est plus fade. Ah ouais, là je suis avec le micro d'origine. Hein. Bon ben ok, écoute, ça sera notre habituel, il est pas mal ce secteur là, voilà. Mais ils sont les copains là. Ah bon ? Voilà, là je suis sur j'ai remonté la puissance du poste seul. Ok, ben toi je les entends pas pour le coup. Bon, j'ai entendu une fois, mais je sais pas si tu peux arrêter là, parce que c'est pas mal de trafic là. Le copain de bazar, ça lui est fini un petit peu. Bon, ok, mais écoute, on revient stand-by 19, on va écouter un petit peu ce qui se passe. Ok, ça marche, je retourne sur le 19, pas de problème. Là, eh bien, c'est surprise, parce que vu la démonstration, ben c'est pas mieux en FM. Curieux ça. Attention, Equinox, c'est pour Billy, tu as les boutons. Ah bah là, il n'y a pas photo là. Là, oui, là je te retrouve là. Ah oui. Ouais, c'est complètement différent. Attends. Ah ouais. Oui, affirmatif, là c'est 100 fois mieux. Hein. Ouais, c'est bizarre, c'est pas tenu le copain routier, le gardon, ce matin. Il a. Oui, il est en retard ou il a déchargé plutôt les palos, c'est ça. Ah. Ah, mais il est que 9h moins 25 passé.
Oh, d'ici 10 petites minutes à peine, ouais, environ ça, on devrait avoir 2U33, là, qui nous envoie les infos de la route. Hier, visiblement, il devait être en repos, aujourd'hui, il devrait être là. Ok, d'accord, bon, je vais rester un peu en bureau, là. Et puis après, je vais aller au proche. Voilà. Mais le matin, c'est pas mal, ouais, tu vois, t'as pas sur le QRM, là, c'est sympathique, hein. Ah ben ouais, c'est ouais, t'as raison, c'est de suite mieux. Hein. J'entends du monde dans le lointain. Du monde en fréquence, mais c'est loin de chez moi. Pas 800, mais c'est loin. C'est loin, c'est loin. Quand ça fait la cacophonie, comme quand ça fait les bruits comme ça. Donc pour les nouveaux, ça veut dire que là, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Daniel. Break. Break. Ouais, les 73 à l'ensemble du groupe. Daniel aussi que j'entends dans le lointain de la part de 14 Kilomike 3301 Rémi au QRA du côté de Castillon-la-Bataille. Ok, d'accord. Bah, ça arrive à CQRP de mon côté, là, pour tout le monde. Hein. Hachi, voilà, comme ça, j'ai répondu d'un seul coup. Ça fera plus court. Ouais, c'est à CQRP de mon côté. Puis bon, j'ai un peu de QRM, là, un peu. J'ai environ 4 points de QRM, là, ici, sur le QTH, sur le QRA. Donc, ça m'aide pas trop non plus, quoi. Ok, c'est du 45 là de mon côté. Là, ça passe très bien. Les 73 également, les autres stations qui sont là sur le QSO. Oscar Charlie Bravo, Michel Paranduire, je me suis pas mort, je fais juste le passage, j'y rends le lourd. Alors là, on voit bien l'utilisation, l'utilité du clarifieur. Ok Michel, parent pur, les 73-51 également. Je crois que, je ne sais pas si depuis le QRA on s'est déjà copié. En mobile, oui, ça d'accord, plusieurs fois, mais depuis le QRA, je ne sais pas trop. Bon, ça passe bien quand même de mon côté, même si c'est pas violent au niveau signal, vu la distance, on marque, c'est normal. Je suis quand même à 50 km à l'est de Bordeaux. Donc, ça ne va pas faire de miracle, hein. Mais ça passe quand même. On s'attrape à mobile, mais depuis le QRA, c'est une première. Magie, il faut mettre une pierre sur la cheminée. Et c'est du 56 de mon côté. Voilà, je viens de mettre les lunettes. Je viens de remettre les lunettes. C'est du 56 ouais, au QRA. Ouais, quand même, oui, ça passe bien. De mon côté, 54-55 en pointe. D'accord, pas plus. Ah ben, il va falloir que j'astique l'antenne au mirror alors. Hachi.
c'est bien. Voilà. Allez, je me fais pas plus long parce qu'à la force de prendre la sucette, j'ai pris un retard de dingue. Voilà. Allez, à plus tard. Tu vas partir sur du bon petit sans travail. Maintenant, les retraités, ça jamais les carreaux. Ça, c'est jamais fini pour un retraité, oui. Ça travaille quand ça veut. Ça marche à bientôt. Ouais, pourquoi c'est le soleil qui nous fait sortir, mais je ne suis pas en sortie. Je suis en train de dire le roi de souffle. Oui, je n'ai pas tardé. Voilà, après peut-être comment te dire, dans notre vie, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que sur ces cas-là, il m'arrive d'être trop là. Ouais, Daniel, il m'arrive petit là pour le coup. Ah, et par moment j'arrive à te perdre un petit peu, là c'est pas toujours évident à suivre. Ah, je crois qu'on a repris le micro en même temps, est-ce trois coups. Ouais, Daniel, je te disais que là par moment je te perds un peu, là c'est pas évident à suivre là, le QSO de mon côté. Ah oui, en bas de la côte de la GT. Ah bah tu m'étonnes. Ah mais j'espère bien. Oui, et de mon côté, là je suis prêt. Là je veux le voir, allez, un bon 9 plus 30, là ici, là, sur le QTH, sur le QRA. Ah, il y a d'autres stations, ouais, c'est sûr, il y a d'autres stations dans le QSO aussi, j'ai débarqué un petit peu comme ça, tac. Mais bon, il y a d'autres OM aussi là qui aimeraient bien prendre les micros. Hop, j'étais perdu sur la fin. Je sais pas du tout. Là, je suis pas du tout au courant. Ça fait belle durée que je suis pas allé par là-bas. Thank you.
Je suis en train de jouer là sur le filtre DSP Power. Alors là, là, je vais pousser au maximum. Ça nous fait un bruit d'aquarium. Écran de moins. Encore écran de moins. Là, je suis comme d'habitude. Là. Ok, bon j'ai l'écureuil qui me chabre, j'ai réussi à suivre en gros là le ouais j'ai ah zut, t'as, je vais y arriver, t'as, c'est les QRM qui me font bugger là, hachi. Ouais, de mon côté là j'ai un 4-5 points de QRM, là c'est vrai que c'est pas évident, mais bon j'arrive à suivre quand même. Ok, bon alors Daniel, alors j'ai appris comme ça que tu faisais des infidélités à la Sibylle, hein, c'est ça, hachi. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la marmotte à bel papier, quoi. Hachi, trois coups. Ouais, ouais, non, mais je sais, je connais le coin. C'est vrai que c'est pas mal bouché de QRM. Hein. Puis en plus de ça, avec la côte et tout, ça, bon, bah, vu la direction où je suis, c'est un peu normal. Ouais, je disais donc à Daniel, alors comme ça, il nous fait des infidélités à la Sibylle. Hachi, trois coups. Ah, je sais pas, tu Roger, j'ai du mal. Là, c'est compliqué de mon côté. Là. La vache. Et personne n'a un aspirateur à me prêter, là, que j'enlève là, tous ces QRM là, qui m'embêtent. Là. C'est vrai qu'avant, j'avais pas ça. Hein. Je sais pas ce que certains ont fait là, au niveau du voisinage, à moins que ce soit simplement les isolateurs là, sur les poteaux EDF et trucs qui sont défectueux, ce qui est aussi possible. Parce que bon, ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça ressemble à du QRM électrique ou un truc dans le genre. Il faut dire aussi que là où je suis en plein centre du village. Hein. Donc, installé comme ça et en plus dans une cuvette, faut pas que je m'attende à des miracles. Quoique, hey, en parlant de miracles, ces jours-ci, j'ai quand même attrapé le Québec. Hein. Et là, ça a été du bonheur, ça a été du caviar même. Hein. Ah, 56-57 de mon côté au niveau signal, voilà, 56-57. Non, là je suis au repos là depuis quelques jours, et je reprends demain en journée, alors vendredi, samedi, dimanche en journée, sur deux sites différents. Demain je suis sur Mérignac à l'usine, samedi, dimanche je suis en train de patauger de la peinture, hachi trois coups. Lundi, je reviens sur la grande usine à Mérignac.
Ah, j'enlève le QRM éliminateur. Il n'y a pas de... Ça fait rien. Ah, je t'entends parler dans le lointain, mais là c'est tout. Hein. C'est de la devinette. Et encore, non, j'arrive même pas. Je t'entends parler, qu'est-ce que je dis moi? Mais je comprends rien du tout. Là, j'ai pas du tout eu Roger, j'ai pas du tout eu QSL de ce que tu m'as dit. Hein. Ah oui. Ok, d'accord pour demain. Mais bon, demain, j'embauche à 6h, moi, demain. Ah oui, demain, je fais 6h, 18h. Donc, ils seront encore au lit, hein, quand je serai sur la route. Ok, là je le reçois à nouveau là de mon côté, c'est bon. Ok, d'accord. J'ai pas compris. Oui, la distance est bonne quand même. Hein. Là, j'ai réussi à t'entendre. Non, mais disons que j'aurais pas de QRM. Là, c'est 4-5 points de QRM. Que là, Daniel, je t'entendrai super QRO. Hein. Et puis, en plus de ça, j'ai pas de CPL, j'ai rien là en ce moment là sur le secteur. Donc, le QRM éliminateur, pour le moment, là, me sert strictement rien du tout. Je l'ai testé pour voir si ça allait me nettoyer un peu, mais non, pas du tout. Donc, non, c'est des QRM électriques chiants qui me bouchent la vue à bon 7,45. Et ouais, j'aurais pas ça, je t'entendrai super bien, Daniel, il n'y a pas de problème. Ah, si. Non, mais en tout cas, de mon côté, là, je pédale au maximum que je peux là pour que tu puisses m'entendre. Pour l'instant, j'arrive encore à le sortir, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Attends, je regarde un truc. Ok, alors attends, 2 secondes. Ouais, c'est bon. Non, mais j'arrive encore à le sortir un petit peu. Hein. Là, et puis pour que lui m'entende, là, je fais mon maximum là, pour qu'il arrive à me sortir. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils ferment la rocade pour la nuit? Ils avaient fait un petit peu de la poussée.
Ah, c'est compliqué, hein. Je tends l'oreille. Daniel, si tu m'entends, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là, tu verras comment c'est compliqué, là, de mon côté. Enfin, quand je dis une petite, tu sais ce que ça veut dire, hein. Il y aura du contenu avant ça, là, depuis ce matin, hein, déjà. Hein. Ah, je suis trois coups. Et là, tu verras, c'est vraiment compliqué, hein, de mon côté. J'ai vraiment du mal. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser, là, tous les deux en QSO. Mais ça sera quand même, ça sera mieux ainsi. Demain, on verra si on s'attrape sur la route. À l'embauche, je sais pas trop, parce que j'embauche à 6 heures. Ah oui, au fait, j'ai oublié son prénom. Pas toi, Daniel, l'autre station, ton voisin, entre guillemets, Hachi. Qu'est-ce que j'ai entendu, là, la rocade, vont la fermer, là, pendant la nuit? Je sais pas. Parce que si c'est fermé pendant la nuit, demain matin, j'ai intérêt à partir plus tôt, si c'est le cas. Bah, mais je vais te dire qu'en étant perdu aujourd'hui, pour cette nuit, je ne suis pas venu. Je n'ai pas vu du tout que j'avais des trains en dehors qui s'existent, parce que cette année, il nous a dit que le véhicule n'a pas perdu. Donc, ça me suis venu, mais je peux dire, oui, je ne peux pas faire ça à l'heure du moment, quoi. Donc, parce qu'il ferme de 9h à 6h. Ouais, bon, ben, je verrai bien. De toute façon, il y aura des infos certainement de mis sur Internet concernant ça. Parce que le dernier coup, j'ai failli arriver à la bourre comme ça. J'arrive à la hauteur de la sortie Blanquefort. Et là, déviation, paf, démerdez-vous. j'avais pas eu d'infos avant ça. Et bon, je me suis débrouillé, je me suis faufilé comme ça par les petites routes et tout, à travers la ville et tout, pour rattraper Mérignac et ainsi de suite. Je connaissais pas du tout la route, mais bon, pour le coup, j'ai bien failli arriver à la bourre. Ça a été short là sur le coup. Hein. Bon, allez, je vais vous laisser tous les deux en QSO parce que là, c'est vraiment compliqué de mon côté à cause de ce QRM que j'ai là. Donc, les bosses 1351 à vous deux, voilà, de la part de 14 Kilomike 3301, Rémi, Dandy 33 qui passe en QRT, et bon QSO à vous deux. Ok, merci, tout ça retourné. Merci à vous deux, tout ça retourné. Daniel, je t'ai pas du tout sorti, je t'ai juste deviné dans le lointain, c'est tout, pas plus. Merci, bye à vous deux. Ah, il est 14h20.
Okay, 48, 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 48